Bonjour tout le monde, c'est Caribou Quintet qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Matador, c'est bon, s'il peut trouver autre chose. Hey, Diablo, c'est là, ça va? Rien que de la ferraille. Wow, alors c'était là. Le ravage de l'air pour Matador. Doucement. Ça va, merci. Je me suis encore levé tard aujourd'hui, j'ai eu ça, là. Matin, sinon 8h30, finalement je me réveillais, c'était près de 10h, j'étais comme un tabarnak. Je comprends pas pourquoi je me lève de tard demain, il fait 2 jours là.
Non, je voulais voir ça. Ah, c'est ça que c'est. Salut. Je termine ce jeu cette semaine, enfin. Mais j'aime y jouer, pardon. Je vais quasiment m'ennuyer parce que c'est un jeu que je joue à tous les matins. Une heure, c'est le premier jeu que je joue de la journée. On va essayer de le battre juste en combattant, sinon il n'y aurait pas nos questions. Pour ceux qui perturbent la paix de cette terre, soient punis. Il arrive. Sinon, il pose des questions, tu réponds correctement à cette question, tu le bats. Mais on peut le tuer aussi. On va essayer de le tuer, si on ne réussit pas à le tuer, ben on va répondre aux questions juste après. Qui me vit, je suis le Cryopsin et vous n'êtes pas le bienvenu sur cette méta. Pourquoi venez-vous semer le trouble ici? À mon tour, je veux semer le trouble en vous. Si vous parvenez à surmonter cette épreuve, vous quitterez peut-être cet endroit vivant. Aucun homme n'a foulé cette île depuis une éternité. Si vous avez le courage de mesurer votre intelligence à la mienne, vos crimes pourraient être pardonnés. Vous aurez résolu mes 6 énigmes. Maintenant, répondez à cela. Je pense que je vais juste répondre aux questions à la place de me battre pour rien. Nigraim Candida. Voici la facile pour commencer. Il peut être saigné, chauffé ou tiré.
Et sans, dans tous les cas, mon vote ne compte pas. Répondez à la question, qui suis-je? La façon de répondre. Attaque. Voici une facile pour commencer. C'est une façon de répondre, je sais pas. Bonne réponse. Ok, je le frappe à l'élément. Si j'ai pas tous les éléments, je dois la merde. 10 minutes à facile. Tâche bien de commencer cette moitié achevée. Voici maintenant la deuxième énigme. J'ai les reflets de la pyrite. Tout ce qui brille n'est pas moi, mais le silence, si. Je le frappe avec du jaune. Ah, j'ai ça. Virus, bonne réponse. Énigme numéro 3. En colère, on me voit. Je suis la cape de chargée. Sur la gorge, je me déploie. Le feu aux joues. Je foule le tapis. Qui suis-je? L'élément rouge. Le feu aux joues, ça aurait pu, j'aurais pu le trouver. Bonne réponse. Je symbolise l'espoir et les amis de la planète ainsi que la fée entendent mon feu. Le vert, l'ami de la planète, les arbres. En souhaitant qu'il ne manque pas un élément, je vais mal à manger. Plus que deux énigmes. Mar et Calium et les Viola, même si j'ai parfois le cafard, à la fois ruban et cordon, mon sang est royal. Bleu, ce j'en ai. Je pense qu'elle n'a pas, mais il n'y a qu'un d'autre qui devrait en avoir. Oh, le déluge. Réponse. Vous devriez déjà connaître la réponse par simple déduction. On peut me broyer, mais quand je deviens marée, même le mouton ne réchappe à ma peste. Élément noir. Qui suis-je? Ça, je suis pas certain que j'en ai des éléments noirs, c'est ça le problème. Bonne réponse, je l'ai eu. Félicitations! Vous avez résolu toutes les énigmes. Votre esprit est aussi redoutable que votre force. Appliquez-vous dans tout ce que vous entreprenez. Le moment est venu pour moi de vous quitter. Adieu. Mais tu m'as rien donné, toi?
Quand tu as dit quelque chose, je ne m'ai pas perçu. Je suis coupé un peu. Qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui, Diablo Xela? Qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui?
Fais bien. Il me semble que c'était un œuf de quelque chose qu'il m'a donné. J'ai vu un gros œuf, mais c'est pas ça. Œuf du temps? D'accord. Ok, c'est pas ça. Go, tu vas commencer. Ah, il y a quelqu'un. Les enfants sont là. Alors, te voilà enfin, Caribou. Quand cette triste histoire a-t-elle commencé? Est-ce qu'il y a 10 ans lorsque tu as failli te noyer ici? Ou bien il y a 14 ans lorsque tu as été grièvement blessé par cette panthère démoniaque, suite à quoi tu as été transporté à Chronopolis, où tu es entré en contact avec le sort et la flamme gelée. Ou est-ce plutôt 2400 ans dans le futur, quand le cataclysme temporel a renvoyé Chronopolis à l'ère préhistorique? Ou alors, était-ce 12 000 ans avant notre ère, lorsqu'un ancien royaume magique a provoqué son effondrement en tentant d'utiliser la voix à ses propres fins? Toutes ces possibilités s'approchent de la vérité tout en étant à la fois très loin de la réponse exacte. Tout a réellement commencé lors de la destruction de l'antique civilisation des îles. Alors que le palais s'effondrait, autour d'elle, la princesse Zara a été happée dans un vortex dimensionnel, tout comme le réceptacle sacré de la voix. Sarah et Lavos ont fini par fusionner, ont évolué en une entité encore plus puissante, le dévoreur du temps. Quand terminé par la haine et la tristesse de Lavos, la moitié de la conscience de Sarah était déterminée à détruire toute existence. Pourtant, l'autre moitié de son esprit désirait sauver l'univers ainsi qu'elle-même. Lorsque Sarah a traversé le portail temporel dans cet état, les pleurs ont résonné. Et lui en sont parvenus à travers le temps. C'est à ce moment-là que son histoire et la tienne sont entremêlées. C'est également là que le passé et le futur ont commencé à se croiser et que le monde a été divisé en deux. Oui, Caribou, tes pleurs ont touché la princesse Zara en plein cœur. Avant que ses instincts destructeurs ne prennent définitivement le pas sur son esprit, elle a créé un clone d'elle-même qu'elle a envoyé dans cette dimension. Sarah a dû se séparer du bébé et lui a confié son ancien pendentif aux propriétés magiques. Il avait pour but de protéger le clone, sa fille, de toute situation pouvant le mettre en danger de mort. Le pendentif est remonté encore un peu dans le temps pour permettre à sa fille, pour mettre sa fille en sécurité à un point du passé très proche. Oui, Jess est le clone de Sarah, sa fille. C'est faux. Je suis moi, c'est tout. Je ne suis pas la clone ni la fille de cette Sarah. Mais c'est bien, Jess. C'est ce que tu dois ressentir. Et je pense que c'est aussi ce que voulait la princesse Zara. Sarah. En ce qui concerne le projet Kid, le projet de contrôle temporel planifié par Gash, il a été mis en œuvre pour te mener à un point précis du temps, la fondation de Chronopolis. Le cataclysme temporel ainsi que la lutte entre sorts et les dragons divins. Tout cela a été organisé pour que tu t'obtiennes la croix du temps et que tu arrives à ces endroits. Bien entendu, Just ne devrait rien savoir de ce plan avant que la date ultérieure, lorsque tout serait terminé. À un point plus éloigné dans le futur, Just est censé revenir 10 ans en arrière à partir d'ici pour sauver Caribou de la noyade. Et elle devait également appeler Caribou pour le mener dans un autre monde alors qu'il discutait avec Lena ici même, sur la plage de Nassa. Tu es notre dernière chance, notre dernier espoir. Toi seul qui es entré en contact avec Zara et avec son clone, Jess peut le faire. Dans le néant qui existe par-delà du temps, Zara a fusionné avec le dévoreur du temps. S'il te plaît, Caribou, délivre Zara. Des liens qui le relient à ce monstre et à sa propre rancœur. Montre-nous et montre à toutes
les formes de vie qu'il existe sur Terre, cette planète, qu'il existe sur cette planète, de quoi sera fait notre nouvel avenir. Voyons, quoi donc là? Là où les anges s'égarent, il y a 10 ans, tu as perdu la vie à cet endroit précis. C'est incontestable, tu t'es noyé. En vérité, c'est ce monde dans lequel tu es encore vivant qui est l'anomalie, la réalité erronée. Il y a 10 ans, c'est Lynx qui a tenté de te tuer sur cette plage. Lorsque Prométhée a rompu le lien entre le sort et la flamme, le sort a cherché à éliminer tous les obstacles qui se dressaient sur ton chemin. En parallèle, les 6 dragons ont envoyé Gwen pour récupérer la flamme. Elle est entrée en contact avec Lynx, l'incarnation physique de Sor, et est parvenue à duper pour qu'ils unissent momentanément leurs forces. La suppression du système de sécurité de circuit Prométhée avait pour tous une priorité. Lynx et Gwen ont enlevé Luca, la seule capable de placer outre le système de sécurité de Prométhée qui protégeait la flamme. Mais cette tentative ne se solda par un échec, alors ils ont simplement patienté jusqu'à ce que tu apparaisses. Car tu vois, Sor avait calculé qu'un jour tu traverserais les dimensions pour tenter d'entrer en contact avec la flamme. Je ne sais pas comment t'as l'énoncé, mais Lynx était en réalité ton père, George. En s'approchant de la flamme, une certaine instabilité psychique l'a gagné et il fut métamorphosé à tout jamais en te voyant terrifié à l'optique de la mort. Une fois son mental totalement brisé, il perdit son âme et sort plus facilement s'emparer de tout son être. Sort fit de George, son interface biologique, en le transformant en ce que tu redoutais le plus à l'époque, une panthère. Bien que George parvint à fuir Chronopolis avec toi, il succomba rapidement à Sort. Par la suite, les humains sont si fragiles, si illogiques, si imparfaits, l'amour et la haine, la vie et la mort. Peut-être Sor lui-même rêvait-il d'utiliser la flamme pour un jour se réincarner en une nouvelle espèce? C'est infiniment triste, tout comme nous observons la flamme nous observe en retour. La nouvelle espèce est sur le point de naître sur cette planète. Une forme de vie extraterrestre encore plus évoluée que le Lavos que nous connaissons. Dans le néant, au-delà du temps, Sarah alors affaiblie s'est retrouvée sous l'emprise de Lavos et tous deux formèrent désormais une seule et même entité. C'est maintenant à toi, celui que la flamme gelée a choisi comme son arbitre, que reviendra la décision. Tu es le seul à pouvoir décider de ta façon dont le nouveau Lavos qui a intégré Sarah en lui, va évoluer désormais. Les actes détermineront si, à l'avenir, le temps lui-même sera dévoré par Lavos, menant le monde à sa perte inexorable. Garch avait prévu ce qui allait se passer depuis son monde en l'an 2300, et il était bien décidé à empêcher que cela se produise, qu'importe ce qui lui coûterait. La croix du temps, c'est la seule chose qui puisse synchroniser les sonorités de la planète produites par les 6 types d'éléments. L'harmonie qui résonne dans toutes les formes de vie l'utilise là. Mélodie de la vie pour le délivrer de la rancœur et de ses souffrances. Caribou, nous t'implorons, s'il te plaît, sauve Sarah. L'œuf. L'œuf du temps.
Pas de commencement ni de fin. Rejoins le néant temporel. Voilà le portail final, celui qui mène au néant temporel. Ça sera bientôt terminé, enfance. Je ferai de mon mieux pour tous les aides qui me sont chers, ceux que j'ai perdus, mais aussi tous les autres auxquels je me suis attaché. Allez, caribou, on se bouge. Mon pote la fait pas attendre plus longtemps. Elle t'attend, toi et toi seul, et depuis plus de 10 000 ans, si je peux me permettre. Si le monde doit être détruit, qu'il le soit. Si l'histoire doit changer, eh bien qu'elle change. Voilà de quoi rêvent vraiment les Radical Dreamers. C'est un combat final. Voyons, tabarnak. Ok, faut que je me dépêche. C'est bon. Thank you.
avance. Allez, va. C'est là. Allez, la machine à tuer. Ghostbuster! À 100%, c'est bien. Je pense qu'on l'a eu. Non, on l'a pas eu. J'avais des renforcements.
ce boss-là. La musique est pas très motivante non plus. On met ça sur, à chaque fois il va taper 99 au niveau de la... Il manquera pas son coup, on le trouve. Faut le battre, je sais pas ou quoi, mais pourtant ça frappe, tu sais. On dirait qu'il a été penché, il s'est penché, hein. Il est plus bas. Oh, on l'a peut-être eu. On l'a-tu libéré? Oh, ça sent ça. Ça sent la fin. Ok, un autre boss, je ne sais pas. Venez à bout de la forme évoluée du dévoreur du temps. Eh oui, c'est terminé, Chrono Cross. Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!
De pas avoir la vraie fin, il faut tester un personnage que j'avais pas, donc... Bon, j'ai eu la fin la plus basique de toute ma vie. Attendez au moins quelque chose. Tu veux mettre 40 heures d'un jeu.
Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross. Terminé sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!